Et salut, bon, ce soir, courte vidéo encore pour vous présenter un peu l'évolution, l'avancement sur la batteuse. Donc la batteuse, je voulais faire un cadre donc pour passer le panneau qui était à l'arrière de la machine, le passer à l'avant et ne plus avoir cette bâche avec des sandoves. Donc ça, c'est chose faite. Je viens juste de finir de le peindre, de rifter ça. Donc je l'ai monté, vous verrez dans la vidéo de dimanche la réalisation rapide dans la vidéo. Donc ça, c'est fait. Benjamin s'est occupé aussi donc du nettoyage du 6R, donc souffler, nettoyer, faire la cabine et nettoyer le 6810 que vous voyez juste devant. On s'est occupé aussi de faire la petite modif là-haut. Bon, vous le verrez ça aussi dans la vidéo de dimanche. On a fait tout le graissage de la machine complètement. On allait remettre les plaques dans la trémie en position basse. Pour les céréales, en maïs on monte parce que sinon la vidange de la trémie est trop peu rapide, on va dire. Donc maintenant ça me reste demain matin, je vais simplement poser le convoi agricole à l'arrière qui va remplacer celui qui était avant, qui se retrouve devant. Donc ça a pas mal avancé, le retour du 5430i. Hier soir j'ai fait encore du traitement pyral avec, donc ça avance. J'en ai encore pas mal à faire la semaine prochaine, mais on devrait y arriver. Bon, donc la machine, en gros, maintenant, ça va rester la cabine à faire. Reprendre un peu les fonctions. On a remis l'écran partagé aussi dessus. Et après, la prendre en main, finir de changer donc, et détordre les 2-3 doigts sur la coupe. Ça, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on a fini le stockage aussi. Donc, entre tout ça, ça a fait pas mal de taf. J'avais quelques papiers aussi à faire. Donc, bon, on a pas mal avancé. Bon, allez, moi je vous dis demain, peut-être, je vais peut-être faire un petit tour de plaine où je vous le présenterai plutôt dans fin de vidéo, donc dimanche. En attendant, bonne soirée à vous tous, n'ayez crainte, l'orage, je pense qu'il est passé, du moins dans mon secteur, il y a des orages qui passent, mais sans dommages sur les cultures, voilà. Allez, bonne soirée à vous tous, et puis à la prochaine, ciao, bye bye.